TCF, test de connaissance du français. Épreuve de compréhension orale du TCF tout public, du TCF pour la demande d'admission préalable, du TCF Québec et du TCF pour l'acquisition de la nationalité française. Correction. Image 1. D. Je suis à la station de métro. Je t'attends. Image 2. B. Pour moi, ce sera une ratatouille. Très bien. Et pour madame? Question 3. Tu vois quelque chose? A. Non, je ne vois rien. Question 4. Tu pars à quelle heure? B. Mon avion décolle à 20 h. Charmant, musclé, amusant. Tu aimerais savoir quand tu vas rencontrer ton prince charmant? Alors, envoie par SMS quand au 8, 20, 21 et nos experts te répondront sur ton avenir amoureux. Question 5. Que doit-on faire pour obtenir une réponse? Nous informons les voyageurs que suite à des travaux, le RERC ne desservira pas les stations entre Javel et Gare d'Austerlitz. Si vous désirez vous rendre à la gare, un bus est à votre disposition en face de la sortie 1. Question 6. Que doivent faire les passagers qui veulent se rendre à la gare? Monsieur, je ne me sens pas bien. J'ai envie de vomir. Va voir l'infirmière. Elle te donnera quelque chose. Mais reviens vite. Nous allons commencer le test dans 15 minutes. Question 7. Que doit faire l'enfant? Bonjour. Vous êtes ici pourquoi? Je désire déposer mon dossier de titre de séjour étudiant. Veuillez attendre dans la file de gauche. Pardon, j'ai une question. Il faut bien 2 photographies d'identité? Non, il en faut 3. Question 8. Sur quoi porte la question de l'étudiante? Tu peux me donner ton avis? Bien sûr, Laura. J'hésite entre ces deux robes. Celle-ci, je la trouve magnifique, mais un peu chère. Et celle-là est bon marché, mais je pense qu'elle n'ira pas avec les escarpins que je veux mettre pour le mariage de Luc. À ta place, je prendrai les 2. Question 9. Que fait Laura? J'aimerais bien faire un pique-nique. Tu as vu la météo pour ce week-end? Pour demain, ils ont annoncé des averses, mais pour dimanche, il devrait faire beau toute la journée. Tu ne crois pas qu'il va faire un peu froid s'il pleut samedi? Ça devrait aller. Les températures remontent vite en cette saison. Question 10. Quel est le temps prévu pour le lendemain par la météo? La rentrée s'est bien passée? Comme si comme ça. Il y a un nouveau prof qui n'a pas l'air sympa. C'est peut-être seulement une impression. Peut-être, mais il nous a donné une énorme bibliographie à lire impérativement avant la fin de l'année. Et il a dit qu'il poserait plusieurs questions sur ses livres. C'est ça la littérature, Yann. Tu n'es plus au collège. Question 11. Quel bilan Yann tire-t-il de sa rentrée au lycée? Votre attention, s'il vous plaît. Le TGV numéro 8503, à destination de Bordeaux-Saint-Jean, départ prévu à 8h52, partira, voie C et non pas, voie D, comme il a été précédemment annoncé. Les voyageurs munis d'un billet pour le TGV numéro 8503 sont priés de se diriger vers la voie C. Nous rappelons que les billets doivent être compostés avant la montée dans le train. Question 12. Que doivent faire les voyageurs? Bonjour, je voudrais ouvrir un compte chez vous et, si possible, j'aurai besoin d'une carte bancaire dès aujourd'hui. Aujourd'hui? Ah, ce n'est pas possible. Vous pouvez déposer votre argent aujourd'hui, mais il faudra revenir un autre jour pour nous fournir les pièces nécessaires à la finalisation de l'ouverture du compte. Ensuite, vous recevrez un code par la poste, et il vous faudra revenir dans notre agence afin de récupérer votre carte. Ça va prendre combien de jours? Une ou 2 semaines, en général. Tant que ça, mais j'en ai besoin tout de suite. Je suis désolée, c'est une question de sécurité. Question 13. Pourquoi le client ne peut-il obtenir une carte bancaire le jour même? Alors Vincent,
Ça va mieux, ta jambe? Oui, on me retire le plâtre dans 2 jours. Ce n'est pas trop tôt. Je commence à franchement m'ennuyer. Ne me dis pas que je suis le seul à t'avoir rendu visite. Non, quand même. Ma mère et ma sœur sont venues m'apporter de bons petits plats, et même quelques-uns de mes étudiants sont venus me voir pour me demander de mes nouvelles. C'est sympa, ça. Très. Mais j'ai quand même hâte de pouvoir me remettre au travail. Question 14. Qu'apprend-on sur Vincent? Allô, je suis bien chez Madame et Monsieur Boulanger. Oui, que puis-je faire pour vous? Je suis Madame Lebas, la mère de Manon, qui est dans la même classe que votre fils. Ça fait plusieurs fois qu'elle rentre en se plaignant qu'il lui a tiré les cheveux. Ah, vous êtes la mère de Manon? Eh bien, vous direz à votre fille d'arrêter d'insulter mon fils parce qu'il n'est pas aussi riche qu'elle. Je ne vous félicite pas pour votre éducation, madame. Au revoir. Question 15. Pourquoi Madame Lebas téléphone-t-elle à Madame et Monsieur Boulanger? Si on se faisait une toile ce soir, ça te changerait les idées. Ça ne me dit pas grand-chose. Écoute, je sais que Jérémy t'a laissé tomber comme une vieille chaussette, mais il faut passer à autre chose. Ça fait quand même 3 mois. C'est facile pour toi, Patricia. Tu as Patrick qui t'adore. Question 16. Pourquoi Patricia propose-t-elle à son amie d'aller au cinéma? Alors, qu'est-ce que tu penses de l'expo, Ahmed? Ça va, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ses œuvres les plus connues, comme Guernica. C'est quand même pas mal pour une petite ville de province de pouvoir exposer une 30aine de peintures de Picasso. Oui, mais je reste un peu sur ma faim. Question 17. Pourquoi Ahmed est-il mécontent? Mesdames et messieurs, c'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du 2e colloque national sur l'insertion professionnelle en enseignement. La constante évolution du monde de l'éducation suppose des ajustements et de nouveaux moyens pour accueillir, retenir et accompagner les nouveaux membres de la profession. Il devient donc impératif de s'en préoccuper. Question 18. Quel est le but de ce colloque? Votre parcours est très intéressant. Cependant, j'ai constaté que vous n'aviez rien indiqué entre octobre 2015 et septembre 2016. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? J'ai pris une année sabbatique pour voyager un peu et en particulier pour voir ce qui se faisait ailleurs dans mon métier. Je crois que pour rester performant, il faut sans cesse innover et s'inspirer de ce que font nos voisins lorsque cela marche. Justement, qu'est-ce que cela vous a apporté? J'ai découvert des concepts passionnants et rares en France au niveau de l'innovation managériale, notamment l'autodéclaration de son humeur ou encore la valorisation de l'erreur. En Inde, par exemple, dans l'entreprise HCL Technologies, les salariés peuvent exprimer leurs doutes et leurs interrogations via un forum interne aux membres de la direction qui s'engagent à répondre, le PDG y compris, quitte à répondre qu'ils ne savent pas. Vous pensez pouvoir appliquer ces méthodes chez nous? On ne peut pas tout changer d'un coup. Ce qui est certain, c'est que ces innovations créent un véritable climat de confiance. Question 19. Qu'est-ce qui dérange la recruteuse? 500 millions d'amis, et vous, et vous, et vous? Question sur les dangers de Facebook et les réseaux sociaux. Que devient la vie privée? Comment la protéger? Comment éviter que des informations ne nuisent à un candidat à l'embauche? Pour intervenir, 01 45 24 7000 dès 17h ou franceinter.com. Le téléphone sonne, Alain Bédoué, ce soir à 19h20. Question 20. Quel est le sujet de l'émission de ce soir? Monsieur Blanquette, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les enseignements transversaux? Un apprentissage transversal dépasse le cadre d'une discipline scolaire. Il n'est inscrit dans aucun programme officiel, donc il ne relève pas de la pluridisciplinarité. Il est toutefois interdisciplinaire dans la mesure où, nécessairement, plusieurs disciplines doivent contribuer à mener à bien l'apprentissage concerné. On peut donner comme exemple l'éducation au développement durable, l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, ou encore l'éducation à la sécurité routière. Question 21.
Qu'est-ce qu'un apprentissage transversal selon M. Blanquette? Bonjour Marion. Bonjour monsieur. Assis-toi et dis-moi tout. J'ai demandé à vous voir parce que je n'arrive pas à me décider à propos de mon mémoire. J'hésite entre une étude comparative ou bien me consacrer à un seul roman et, à vrai dire, je ne sais pas trop sur quelle œuvre je devrais travailler. Tes hésitations sont tout à fait normales. Tu n'es pour l'instant qu'à la genèse de ta réflexion et pour qu'elle puisse aboutir, tu dois effectuer une rétrospection. Pose-toi tout d'abord les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier la littérature? Quels auteurs, quels thèmes te passionnent réellement? Une fois que tu auras répondu à ces questions, tu pourras présélectionner des œuvres sur lesquelles tu aimerais travailler et réfléchir alors aux éventuelles problématiques. Question 22. Pourquoi Manon a-t-elle demandé un rendez-vous? Question 23. Que lui conseille le professeur? Et le début, je trouve, du chaos, du suicide humain, c'est la Première Guerre mondiale, parce que ça fait longtemps qu'ils se battent, les êtres humains, et ils ont une technologie épatante, ils veulent quelque part inconsciemment la tester. Et ça fait, je crois, 1 400 000 morts en France. Donc c'est une vraie folie, voilà. Et cette histoire raconte cette folie. Comment deux individus, doués de sens et de raison, vont survivre dans cette folie humaine? Après, c'est des êtres humains éminemment attachants, avec encore une fois cet être surdoué à haute conscience qu'Edouard Péricourt, alias Navel Pérez Biscaya, et cet autre individu, Maillard, beaucoup plus frustre, mais gentil, affectueux et un grand sens humain. Voilà. Ça raconte ça, l'aventure humaine dans le chaos que l'être humain s'est créé lui-même. Quoi. Voilà. Ça Merci. Raconte ça, c'est tout. Merci, on trouve tout de suite quelques-uns des comédiens de ce formidable film. Au revoir là-haut. Question 24. Sur quoi la personne interviewée est-elle interrogée? Question 25. Que nous apprend la personne interviewée? La compagnie de chemin de fer allemande Deutsche Bahn a présenté mercredi son premier minibus sans chauffeur. La navette développée par la start-up française EasyMile relie désormais gratuitement et en 8 minutes la gare, le centre-ville et la station thermale de la ville de Bad Bienbach. À partir de 2018, la Deutsche Bahn testera son minibus sur les routes de plusieurs autres villes allemandes. Des véhicules autonomes sont déjà testés à Paris, Lyon, Las Vegas ou Dubaï. Question 26. Quelle information est correcte? Pour sa 10e exposition d'art contemporain, c'est un parcours totalement inédit que propose le château de Versailles à ses visiteurs. Un parcours dans les jardins qui ressemble à celui que l'on faisait faire autrefois aux ambassadeurs et aux invités de marque. Une promenade artistique et poétique avec comme thème principal le temps qui passe. Et à chaque fois, il y a une progression émotionnelle, dramaturgique, si vous voulez, d'un artiste à l'autre. Peu à peu, on va voir des représentations de la métamorphose, de la représentation des saisons, des représentations du monde souterrain. Les 17 artistes font une progression dans le voyage vers soi. Et c'est ça que raconte le voyage d'hiver. Sculptures géantes, installations sonores, tableaux, drapés, carte blanche a été donnée à 17 artistes internationaux pour se réapproprier ce lieu historique. Question 27. Quel est le but de cette exposition? Située à 60 km au nord de la Tuque, en Haute-Mauricie, la pourvoirie du lac Oscar, c'est 234 km² de nature et une trentaine de lacs. Jusqu'à la construction de la route forestière en 1987, la seule façon d'y accéder, c'était l'hydravion. Ce somptueux territoire est une belle histoire de famille depuis 3 générations. Monique Farrar, première femme à diriger une pourvoirie, puis son fils Donald pendant 42 ans et depuis très récemment sa fille Léa. Elle vient de reprendre le flambeau de cette entreprise familiale plus grande que nature. Question 28. Qu'est-ce qui caractérise la pourvoirie du lac Oscar? Puisqu'on ne peut falsifier notre histoire passée ou contemporaine, nous allons sécher nos lames, panser nos plaies, taire nos souffrances et rappeler que depuis quelques années, l'Afrique, après les sanglantes guerres de libération, a renoué avec les conflits armés. Le Mali, depuis 2012, est en proie à un conflit armé opposant les forces armées gouvernementales à des groupes armés. La Guinée a subi en 2000 des agressions rebelles aux frontières avec la Sierra Leone et le Libéria, même si elle a réussi donc à stopper l'avancée des rebelles. Depuis 2015, un conflit est en cours dans le bassin du lac Tchad contre le groupe Boko Haram. Les pages sombres
et rouge du sang des victimes sont interminables. Les pays d'Afrique francophone, comme on le voit, sont donc directement touchés et concernés par les questions de répression des crimes de guerre, de développement de la justice pénale internationale, ainsi que celles liées au renforcement de la lutte contre l'immunité. Question 29. Quel est le constat de l'intervenante ? La correction de la compréhension orale est terminée.